Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Un petit message d'aujourd'hui. Il y a le plein soleil, il y a le tout, tout est beau. Aujourd'hui, on est là, hein. Tranquillement dans le confinement, on fait des vidéos. Il faut faire des vidéos, il faut s'occuper, il faut, voilà. Faites la cuisine, le sport, le ménage. Si vous avez des enfants, occupez-vous des enfants, vos maris. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, d'un petit message. Les filles qui dépendent des hommes et qui sous-estiment leurs amis, qui croient que un homme s'occupe d'elles, donc c'est l'ami. Comme l'autre, l'homme ne s'occupe pas d'elles, elles viennent sous-estimer leurs amis parce que l'homme leur donne tout. L'homme leur donne l'argent, l'homme leur donne tout, elle dépend des hommes. Même une aiguille, c'est l'homme qui donne. Tout ça, c'est l'homme qui donne. C'est bien. C'est très bien même. Mais sache que tu es l'esclave de l'homme. Ces filles-là, ce sont des esclaves des hommes. Pourquoi? Parce que il leur fait faire tout et n'importe quoi. Quand tu fouilles bien dans la vie de ces filles, c'est un grand n'importe quoi qui est caché dedans. Ça dit le superflu que toi tu vois, tout brille sur elles. Elles ont tout, elles ne manquent de rien. C'est le superflu. Fouille un peu dans leur vie. Tu vas voir que c'est un grand n'importe quoi qui est caché. Elles vivent dans le faux en gros, en fait. Ce que ces hommes-là le font dans l'intimité. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des filles sur lesquelles on défèque pour l'argent, sur lesquelles les hommes crachent. Les hommes ne considèrent même pas. Ils te donnent tout ça, hein? Mais dans tout ça, tu es malheureuse. Tu es une malheureuse. Et figurez-vous que ces filles-là, les filles qui dépendent des hommes, elles sont beaucoup jalouses de leurs amis, au fait. Elles sont jalouses des filles qui ne dépendent pas des hommes. Une fille qui a d'elle-même, qui gagne à la sueur de son front, c'est d'elle qu'elle est jalouse. Alors que ça devait être le contraire. Ça devait être totalement le contraire. Toi qui dépends, qui manges à la sueur de ton front, qu'elle est jalousée, c'est elle le contraire, elle est jalouse. Donc, en résumé, franchement, avant de jalouser une fille, quelqu'un qui a tout, qui croit qu'elle a tout, le superflu, tout de suite, tu vois que boum, 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 tout brille. De calme-toi et essaie d'analyser, comprendre un peu que la fille. Ce que l'homme dont elle dépend lui fait faire est pire. Est pire que toi tu manges à la sueur de ton front. Donc, en résumé, ne jalousez jamais le superflu, car le superflu cache toujours du faux. Tout est faux en dessous. Tout ce qui brille tout de suite est faux. Donc, mes chers amis, filles, mangeons à la sueur de nos fronts. Une fille n'a pas forcément, une femme n'a pas forcément besoin d'un homme pour avancer dans la vie, pour réussir dans sa vie professionnelle, pour réussir dans sa vie personnelle. Sur ces belles paroles, bonne journée à vous, bon confinement. Bisous, à très vite. Je vous aime. Bye bye, bye. C'était mon petit message du jour.